Devenue une véritable youtubeuse, Victoria Meo cartonne sur la plateforme de vidéo. D'ailleurs, elle a même été conviée sur la chaîne de Maï Adorable pour se soumettre à son détecteur de mensonges. Dans cette vidéo, la jolie blonde a fait d'incroyables révélations. Victoria Meo, infidèle très honnête, Victoria Meo, alias Vivi Superstar, a répondu en toute franchise aux questions de Maï Adorable. Celle qui se considère comme une bonne menteuse, n'a cependant pas hésité à avouer sans détour avoir été infidèle. En effet, lorsqu'il lui a été demandé si elle avait déjà trompé un de ses compagnons, elle a répondu, oui tous, presque tous. Le dernier non. Lorsque Maï Adorable lui a demandé s'ils étaient courants, Victoria Meo a répliqué, non, bah non. C'est pour ça que je dis presque tous comme ça ils ne savent pas. Bastos réagit et balance sur la jeune femme Bastos, son ex, nous prouve effectivement que Victoria Meo n'a jamais directement avoué à ses anciens compagnons ses infidélités puisqu'il semble avoir eu du mal à encaisser la nouvelle. Bastos, pourquoi tu ne te remets pas avec Vivi, vous êtes incroyables ensemble. Je la connais, je sais ces choses-là. Ses autres ex, ils savent ces choses-là. Ce détecteur de mensonges est explosé au sol. A-t-il déclaré via son compte TikTok. Il est allé plus loin encore dans ses confessions en revenant sur la fameuse photo du baiser entre Victoria et lui alors que Nicolo se pensait encore en couple avec elle. Vous croyez que quand elle m'a embrassé, elle l'avait largué Nicolo? Vous croyez qu'elle a fait que m'embrasser? Elle n'a tellement pas fait que m'embrasser qu'il y a eu des complications. Complications pour lesquelles je l'ai accompagné après et je suis revenu dans sa fille. Bien évidemment, cette confidence n'a pas manqué d'intriguer la toile. De nombreuses personnes ont donc pensé qu'il était possible que Victoria Meo soit tombée enceinte de Bastos. En tout cas, vous savez que vous pouvez être une meuf en 2023, vous pouvez faire du mal à d'autres êtres humains, vous pouvez les tromper et vous serez une superstar. Suivez ses conseils. Moi j'étais l'avant-dernier mec, vous croyez qu'elle ne m'a pas trompé? J'étais sous emprise, je suis sous emprise. A-t-il dit pour terminer sa vidéo? Il a par la suite écrit à une internaute qui trouvait limite qu'il parle des fameuses complications en déclarant « Elle a utilisé ces complications pour me faire venir. » Bastos répond à une internaute au sujet des fameuses complications dont il parle à Robaz TikTok. Il a également avoué à une autre internaute qu'il n'était désormais plus ami avec Victoria Meo. Bastos avoue ne plus être ami avec Victoria Meo @TikTok essayant malgré tout de rire de la situation, Bastos a partagé une photo de lui avec des cornes. Bastos diffuse une photo de lui avec des cornes @Instagram.